Alors, je suis accompagné de mon ami Daniel Pelletier. Daniel, toi et moi, euh, on avait fait une entrevue l'année passée euh, pour nos auditeurs pour que tu nous, euh, puisses nous parler sur les produits et les différentes euh, options de protection euh, au niveau de l'automobile qu'on peut appliquer sur nos véhicules électriques. Cette année, tu m'as dit euh, Stéphane, j'ai d'autres produits euh, à montrer et à, à décrire à tes auditeurs. Euh, fait que tu m'as dit viens on va parler de ça. Fait que je suis aujourd'hui avec toi. Euh, merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Stéphane, je suis comme, comme excité, je suis comme un enfant dans un, dans un tas de jouets. Là. Euh, non seulement il y a des nouveautés sur le marché, dont une qui m'excite vraiment beaucoup, mais il y a aussi des mises à jour et des choses intéressantes qui sont, qui sont importantes. Je pense, que, je pense que les clients doivent savoir certaines choses à propos, de, entre autres, du nanocéramique en rapport avec la pellicule. Il y a des choses, qu des attentes des choses précises qu'ils doivent savoir. Puis aujourd'hui, j'ai hâte de pouvoir donner une, une explication de ces choses-là. oui, Daniel. Fait que pour, pour les gens qui n'ont pas encore écouté l'épisode de l'année passée, je les invite tout de suite à aller les, la rattraper. Donc, l'épisode numéro 8, hors série. Euh, ils vont déjà avoir une bonne base, là, puis euh, ils vont pouvoir compléter avec l'information, les détails que tu vas nous donner aujourd'hui. Donc, premier sujet euh, que, as, que tu veux nous parler, fais-nous fais un rappel là, de ce que c'est la protection euh, nanocéramique. Oui. La, la protection nanocéramique, c'est un enduit, c'est un... Comparer ça, on peut comparer ça à un scellant à peinture, si on veut. C'est un produit qui, qui adhère très fortement à la peinture du véhicule. Puis, ce que ça fait, c'est que ça fait un fini qui est hyper ultra-lisse. Puis, nanocéramique, ça le dit dans son, dans son propre thème, là, c'est les plus petites particules possibles de céramique qui sont ajoutées à, à des ingrédients spéciaux qui font en sorte que le, ça rentre dans les micropores de la peinture, ça fait un fini extraordinaire, qui fait en sorte que la poussière ne colle pas, euh, les, 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 les moustiques, euh, tout ce qui est abrasif, tout ce qui peut causer des problèmes au niveau de la saleté du véhicule, ça y adhère beaucoup moins, ce qui fait en sorte que quand tu laves ton véhicule, il est beaucoup plus facile à laver, puis en bout de ligne, le look, le shine, la, 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 la réflexion qu'il y a dedans, c'est vraiment… Là, euh, c'est vraiment au top. C'est la, la cire, si tu veux, au stéroïdes par excellence. Là. Bon, puis euh, parfait. Tu nous disais aussi, euh, on, on s'en parlait tantôt, euh, le nanocéramique, céramique, c'est pas un produit qu'on applique, puis on l'oublie, puis il est bon euh, à, à éternité. Là. Il, y a, il y a quand même un certain entretien là, que tu me disais qu'il faut, qu faut en faire pour, le, pour garder le beau, le beau fini. Oui, puis tu fais tellement bien de le mentionner parce qu'il n'y euh, a rien d'éternel. Ce qui veut dire que le nanocéramique, c'est l'ami du laveur de la voiture, mais il faut que tu laves ta voiture. Ce qui veut dire qu'il faut. Euh, tu sais, un, un commerçant qui va te vendre un nanocéramique puis qui va te dire, oui, ça dure 10 ans, là. bien, sois certain qu'il va, il va trouver une façon de ne pas honorer sa garantie parce que c'est impossible. Donc, le principe du nanocéramique, il doit être lavé régulièrement pour empêcher les contaminants de venir l'aggraver. Puis, on recommande au moins une fois par année une décontamination totale avec ce qu'on appelle dans le métier un reload, là, si on veut, un rafraîchissement du nano qui lui redonne toutes ses, ses, ses propriétés hydrophobiques. Puis un nano céramique de bonne qualité installé par un bon installateur, ça, tout dépend de l'utilisation qu'on fait de notre voiture, va durer entre 4 et 5 ans avec les, les bons produits d'entretien au pH neutre, puis les décontaminations, puis les entretiens annuels. Euh, ça serait pas mal ça qui est important de savoir. Donc, les gens doivent comprendre qu'un anneau céramique qui dure dix ans, c'est impossible. Pas, pas ici au Québec, en tout cas, à moins de garder sa voiture juste dans le garage et la sortir un mois par année. <laughs> euh, en la gardant dans le garage, c'est sûr, elle va, elle va rester parfaite. Ça, on s'entend. Euh, mais au-delà de ça, là, le nanocéramique, c'est un produit qui existe depuis nombre d'années, mais tu me décrivais qu'ils ont réussi même à l'améliorer encore. Explique-nous ça, c'est quoi cette, cette nouveauté-là sur le marché? Oui, tu parles d'amélioration. On peut quasiment parler de, de pratiquement un nouvel enduit. Euh, nous ici, on l'appelle même pas un anneau céramique. On a découvert une compagnie qui s'appelle Revivify, qui est un enduit qui va sur la voiture, mais les, son principe, le fini ressemble beaucoup à un anneau céramique. Mais ce que la compagnie a réussi à faire, c'est intégrer du polymère et de la résine dans le fini. Ce qui fait en sorte qu'il s'applique pas du tout de la même façon. Puis, euh, son, son objectif, il devient, il devient plus performant à plusieurs niveaux. Euh, un anneau céramique normal de 1 à 2 microns en général. Le, la, le polymère et la résine dans le Revivify amènent ton, ton enduit à 4 à 5 microns. Il est moins dur à cause de la résine. Il, il, est, il a un fini plus souple, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, Étant plus épais, plus souple, bien, nous autres, ce qui nous attire là-dedans, c'est qu'il ressemble un peu à un parpierre. Il fait un mini parpierre, si on veut. Donc, euh, si on l'éraphe légèrement bien, au soleil, avec la chaleur, il va avoir tendance à vouloir se reformer, se, se refermer, ce qu'on appelle en anglais le self-heal, qu'on retrouve sur les pellicules de protection de peinture. Puis, le polymère et la résine, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'il est plus résistant aux produits chimiques. Ce qui veut dire que si, euh, par exemple, vous n'êtes pas du genre à entretenir votre voiture beaucoup, si vous la lavez une fois de temps en temps, mais vous aimez ça passer au lave -auto automatique, bien, les produits chimiques dans les savons utilisés pour les, la les lave là, ça va vraiment endommager un anneau céramique. Donc, le Revivify, lui, à 4-5 microns, avec la polymère et le résine, va résister beaucoup plus, ce qui fait en sorte que, oui, à force d'aller au lave vous allez perdre un peu d'hydrophobique. Mais lorsque vous allez revenir pour un entretien, on va vous le donner à 100%, puis la, il va continuer à faire son travail. Et en plus de tout ça, bien, le nouveau produit, ce n'est plus la céramique. C'est ce qu'on appelle un, une réduction d'oxyde de graphite. Alors, mettons en mots simples, un graphène qui, lui, euh, il fait un fini encore plus, euh, plus slick, là, plus smooth. Le reflet, est, le wet look est extraordinaire puis l'hydrophobicité aussi, puis il retient moins les taches d'eau que le, que le céramique. Alors, on a finalement un, un beau mélange là, de, qui, qui fait en sorte que tu as un produit qui est pas mal les, les forces, il y, a, il, y a, il y a ses forces dans tous les aspects. Là. Fait qu'on s'entend que c'est un produit qui est extrêmement performant, fait que pour le, le bénéfice de nos auditeurs là, qui n'ont pas l'avantage de le voir, là, tantôt, toi et moi, on va faire une démonstration qu'on va, qu va pouvoir rendre publique, euh, les gens vont pouvoir aller consulter la, la vidéo. Là. Tu vas pouvoir nous, nous démontrer là, euh, cet, cet effet hydrophobique-là, comme tu décris. Euh, donc, ce, ce produit-là, est un petit peu plus épais, euh, comme, te, comme tu, tu le disais, euh, puis il offre une légère protection. Donc, ça peut être une bonne combinaison avec euh, le pare-pierre à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui veut faire faire un pare-pierre à 100 sur le véhicule. Donc, à ce moment-là, on peut cibler les endroits. Comme chez nous, on aime beaucoup faire les devants complets avec les bas de caisse, par exemple, sur les Tesla. Bien, le restant du véhicule, lui, est exposé. Donc, en mettant un Revivify dessus, bien là, on se trouve à augmenter la protection sur les endroits qui sont un peu moins exposés, ce qui fait en sorte que le look va être vraiment génial. Maintenant, l'autre chose que les gens doivent absolument comprendre, je ne suis pas en train de du tout de descendre. Les, les aspects de qualité d'un anneau céramique. Là, parce qu'on en a posé, puis euh, je continuerai à en poser si, si on n'avait pas le Revivify. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'on s'est rendu compte, l'expérience montre qu'on qu doit absolument faire affaire avec un professionnel. Vous allez chez votre concessionnaire automobile, là, euh, ils vont vous vendre un anneau céramique mais qui travaille derrière la shop? Il y a tellement un roulement d'employés. Est-ce que l'employé est consciencieux? Est-ce qu'il a l'œil pour ça? Est-ce qu'il est passionné de son métier? Donc, il y, a, il y a très peu de gens qui sont vraiment euh, efficaces dans ce, ce qu'ils font parce que quand on applique un anneau céramique ou un revêtement, il faut comprendre que ce qu'il y a en dessous, ben, il va rester là longtemps. fait que s'il y a des graphings, des micrographiques, euh, des, des, des cheveux d'ange, des « swirls », Bien, ils vont être emprisonnés sous ça. Puis là, bien, à chaque fois que vous allez laver votre voiture, bien, vous allez le voir. Ça. Donc, il faut confier ça à quelqu'un qui est compétent puis qui a l'expérience pour savoir quoi faire avec ça. Puis, comme on va le voir avec ton véhicule, je pense que les résultats sont assez frappants. Oui, ça, c'est un conseil qu'on qu recommande beaucoup à nos, à nos auditeurs de bien faire le magasinage, de vraiment poser des questions lorsqu'ils lorsqu magasinent, à savoir comment que les gens travaillent. Euh, C'est vraiment un bon conseil. Ensuite de ça, bon, la peinture, on en parle beaucoup. Il y a d'autres choses aussi sur, euh, sur un véhicule. L'année passée, on parlait de, de vites teintées pour les vitres latérales. Mais là, tu m'as parlé d'un autre produit qui, lui, est une autre partie du véhicule qu'on parle très rarement, le pare-brise. Donne-moi des détails là-dessus. Oui. Là, dans le, dans le monde automobile, ça fait des années qu'on cherche une formule pour essayer de protéger les pare-brises parce que. Les pare-brise, ça coûte énormément cher. Puis nos routes, euh, les maganes, comme ça, n'a aucun bon sens. Euh, ils ont sorti la génération des, des pellicules qui ne résistent pas. Ça protège bien. C'est probablement ça qui protégerait le plus, mais ça dure pas. Tu passes les, les essuie-glaces dessus, ça graphigne. Donc, on n'a pas trouvé encore cette formule-là. Maintenant, une compagnie aux États-Unis, j'ai un, un ami qui est représentant, qui m'a parlé de ce nouveau produit-là qui s'appelle Sharp Shield. C'est un… puis j'ai aimé le principe. Encore une fois, on fonctionne avec le principe là, pour l'expliquer. C'est qu'un pare-brise à la base, un des ingrédients du pare-brise à la base, c'est le silice. Puis lui, c'est un enduit qui, se, qui adhère au silice du pare-brise, ce qui veut dire que ce n'est pas juste un enduit qui va s'assir dessus, il va se souder avec le pare-brise. Et il va rendre le pare-brise 40 plus résistant. Donc, ce que ça veut dire dans les faits, c'est est-ce que vous allez sur la route est-ce que ça veut dire que vous n'aurez jamais de chip ou vous n'aurez jamais de crack? Non. Mais par contre, vous allez sur la route avec un pare-brise qui est 40 plus fort. Donc, ça veut dire qu'on réduit énormément le risque de, de brisure ou d'éclat. Le produit est tellement. Ils ont tellement confiance dans leur produit qu'il y a une compagnie d'assurance qui s'est greffée à ce produit-là pour offrir une, une assurance, une garantie avec le produit. Donc, on invite les gens à s'informer de tout ça. Il y a un prix pour ça. Mais pendant trois ans, vous pouvez avoir, par exemple, garantie avec remplacement de pare-brise avec ce produit-là. C'est un, un, un produit qui s'applique en trois étapes, dont un dernier qui le rend extrêmement hydrophobique, ce qui fait en sorte que vous allez économiser sur vos essuie-glaces. L'hiver, la, la glace qui va coller sur le pare-brise va s'enlever beaucoup plus facilement parce qu'elle a plus autant d'adhérence. L'eau lorsque vous allez conduire, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être vraiment un, comme un. Ici, on connaît bien l'aquapelle au Québec. Là. Bon, c'est un aquapelle encore une fois là, qui est comme boosté, là, vraiment solide. Puis euh, le soir, quand vous allez rouler aussi, tu sais les lumières, quand on rencontre des lumières un peu partout, ça fait flou un peu. L'effet de ce sharp shear là sur, sur votre pare-brise, ça va grandement améliorer. Donc, vous allez augmenter la longévité de votre pare-brise, moins d'usure, moins d'usure de sandblast de la route sur le pare-brise, en plus de minimiser vos risques d'avoir des éclats de roche. Donc, moi, je trouve que c'est le package là, parfait. Pas parfait dans le sens de parfait, mais le plus performant qui existe présentement sur le marché à l'heure actuelle. Bon, évidemment, c'est toujours mieux de, de prévenir que de guérir lorsqu'on lorsqu parle de pare-brise. fait que ça, ça c'est parfait. Euh, Prochain, euh, prochaine chose que tu voulais me parler, Daniel, les pare-pierres. on en a parlé l'année passée. Là, il y a d'autres choses qu'une variable que tu, veux, euh, que tu veux que les gens soient conscients. Euh, lorsque les gens ont des usages spécifiques avec leur véhicule, il y a peut-être des, euh, des ajustements, et des conseils là, que tu aurais, euh, aurais à leur donner. Oui, c'est la beauté du produit, c'est que de plus, plus qu'il est en circulation, mieux on le connaît, et mieux on est en même de pouvoir conseiller les clients avec. Donc, ce qui veut dire que... J'ai un client, par exemple, je vais donner un, un, un exemple précis. Il est revenu à, avec 6000 km avec sa Tesla Y. Puis on a fait un 100% euh, par pierre dessus. Euh, très bel job, tout ça, ça a bien été, sauf qu'il a fait 6000 km uniquement sur des chemins de gravel Parce que lui, son travail l'amène dans des chemins de gravel. Puis, comme, comme n'importe quel produit qui est soumis à des roches, puis des éclats de roches constamment, bien le fini du par pierre a commencé à manger des coups. Il a beau être souple, mais quand il reçoit des roches qui peuvent être piquantes, ça va finir par passer un petit peu à travers le fini, ce qui fait en sorte que sur une Tesla noire, par exemple, sur un fini noir, bien, le parpierre commence à paraître un petit peu blanchâtre. Puis c'est tout à fait normal que ça fasse ça parce qu'il fait son travail de protéger la peinture qu'il y a sous, sous, sous elle pour la, la, garder, la garder belle. Donc là, il y, a un, il, y a, il y a quelque chose de nouveau sur le marché. Il y a des compagnies qui le mettent de l'avant, puis c'est pas mauvais. C'est un parpillard de 10 millièmes. Donc, il est 2 millièmes plus épais que le 8. Donc, on se dit, oui, il va protéger définitivement plus la peinture en dessous. Sauf que si, si tu le regardes, le 10 millième à l'œil, va être pareil comme le 8 millième. Son fini aussi il va recevoir des coups. Puis, il va recevoir des... Il va devenir blanchâtre sur une pellicule, sur une peinture qui est plus foncée. Alors, c'est important que les gens le sachent, ça. Puis, une pellicule... Est aussi comme un comme un clear coat automobile. Si on laisse des bébites des ou de la, de la, des fientes d'oiseaux cuire au soleil pendant de nombreux jours, ben éventuellement c'est garanti vous allez vous allez laisser des empreintes. Donc ça c'est important que les gens le sachent. Puis c'est là qu'un anneau céramique ou bien un enduit à la graphène comme on pose ici, ça ça vient aider énormément. Mais je reviens à la pellicule. Nous, ce qu'on a décidé de faire maintenant pour, pour, mieux, pour mieux comprendre les besoins de nos clients, c'est qu'on va, on va, on va avoir le devoir de mieux les informer. Ce qui veut dire que là, on va voir c'est quoi l'utilisation qu'ils font de leur véhicule. Vous allez souvent sur un chemin de terre. Bon, maintenant, on va regarder votre véhicule. Quels sont les endroits qui sont les plus susceptibles de recevoir euh, de l'usure excessive qui va peut-être paraître un peu sur le pare-pierre? Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire une petite pièce un coin en arrière proche de la roue qu'on va pouvoir couvrir avec une deuxième pellicule. Alors là, on va chercher le principe du 10 millième, sauf qu'on tombe à 16 millième. Mais lorsque deux ans après, il a commencé à blanchir, euh, vous n'êtes pas obligé de tout changer. Là. Vous enlevez juste le petit morceau de par qu'on a mis à l'endroit spécifique où est-ce que ça blanchit. On vous en remet un nœud. Ça vous coûte seulement quelques dollars pour le faire. Puis votre, so votre voiture ressort de chez nous propre comme un sous neuf. Comme il était au début. Donc ça fait drôle à dire, mais les gens ont tellement d'attentes vis-à-vis du pare-pierre que là maintenant ils veulent que le pare-pierre reste tout le temps beau à vie. Mais, là ça c'est la solution, je pense, qui va nous permettre d'obtenir le maximum possible de la protection avec un pare-pierre sans aller chercher trop de sous dans la poche de nos clients. Fait on, on comprend là, que de plus en plus on est capable de venir couvrir les besoins de, 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 de toutes les besoins que les gens auront à avoir avec le, leur véhicule. Euh, donc, vous, avez, vous pouvez poser ces bonnes questions-là quand on est un, un atelier qui est, qui est rigoureux. On pose ces questions-là pour bien répondre euh, aux attentes du client. Donc, là, ça, c'est évidemment quand on est bien informé, on fait notre magasinage d'avance, euh, on contacte les ateliers, on pose beaucoup de questions. Euh, puis, idéalement, on pose notre pellicule par pierre avant même d'avoir de l'usure comme, euh, comme on peut avoir. Euh, déjà, quand il y a une par pierre un pare-pierre déjà appliqué, c'est déjà moins payé. Mais mettons que moi, je suis un propriétaire de véhicule, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance avec mon véhicule, je vois déjà de l'usure prématurée, soit sur les bottes de caisse, devant l'aile, en arrière. Euh, y a-t-il, dans certains cas, des, 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 quelque chose que tu peux euh, répondre à ce besoin-là? Est-ce que tu es capable de, de, de réchapper un petit peu la voiture? Oui, bien, en fait, je chicane le client. Non, non, c'est pas vrai. On fait pas ça. On ne fait jamais ça. Le client a toujours raison. Non, en fait, il y a deux solutions qu'on est en mesure de pouvoir euh, mettre de l'avant pour essayer de répondre à ce besoin-là. Parce que c'est pas tout le monde. Euh, J'ai des clients qui reviennent me voir ils ont dit j'aurais dû le faire faire. Donc, là, ils ont 5 000, 6 000 kilomètres, puis la, vo la voiture est déjà entamée. Bon, si vous avez un véhicule noir, par exemple, Tesla a un noir qu'on appelle un noir pur. Bien, on a une nouvelle pellicule qui est un pare-pierre mais qui est noir, qui a un fini lustré incroyable qui se marie parfaitement à, à la couleur de Tesla. Donc, ce que ça fait, c'est que si vous revenez nous voir, vous avez une Tesla noire, on est en mesure de pouvoir faire une correction de peinture dessus. On va aller essayer d'adoucir toutes les impacts qu'il y a déjà sur le véhicule. On est en mesure de pouvoir couvrir un pare-choc, un, un capot, les ailes, les bottes de caisse avec un pare-pierre exactement comme le pare-pierre qu'on pose, sauf qu'il y, y a une peinture noire à l'intérieur du pare-pierre qui fait en sorte que finalement, là, votre véhicule va ressortir à nouveau avec une peinture neuve, sauf que là, il est protégé avec un pare-pierre. Donc, ça, je, je le conseille vivement aux gens. Puis, même qu'on considère, on est en train de faire des tests, on considère même que quand vous arrivez avec un véhicule noir, c'est possible qu'on va déjà appliquer. Au lieu de mettre un, une pellicule transparente, on va appliquer une pellicule noire dessus parce que le fini est tout à fait génial et, et fantastique. Maintenant, la deuxième chose, vous avez un véhicule rouge, bleu ou quoi que ce soit, on est en mesure de pouvoir, on a un système de retouche. On l'a appelé le système de retouche Impact, là, bien sûr, parce qu'on aime brander nos affaires, mais c'est un système de, de retouche de peinture qui est vraiment euh, efficace. On est, on est capable, dans certains cas, de ramener une peinture à 75, 80 là, de, de son look. Ça, c'est sans la pellicule. Donc, quand on rajoute la pellicule par dessus, qui vient adoucir tout ça avec le clear de la pellicule, bien, on a vraiment un, un beau fini là, qui peut réellement le réparer. Euh, l'usure excessive, par exemple dans des boîtes de caisse. Donc, c'est un procédé qui est très salissant. Là. Euh, je, me, je mets des gants, je fais mon mix de peinture exact pour le véhicule. On remplit ça, là, on remplit les trous, tous les endroits avec, avec beaucoup de, de peinture. On essuie tout ça, on ramène ça puis euh, je te dis, là, ça fait vraiment un très très beau travail. Donc, ça veut dire que si votre véhicule est déjà entamé, là, bien, venez nous voir, venez nous le montrer. Il n'est peut-être pas trop tard. Peut-être le système de retouche impact va pouvoir faire vraiment un très beau travail. On va stopper l'hémorragie, on va combler le, le manque de peinture qu'il y a sur le véhicule, on va le protéger à nouveau. Puis vous allez être bon pour rouler avec un véhicule qui est propre, qui, est, qui se présente bien là, pour longtemps. Bien, au moins, Daniel, c'est réconfortant de savoir que s'il y a des dommages, bien, vous êtes capable au moins de, de réchapper ça. C'est quand même bien. Là. Euh, Dernier, euh, dernière chose que je vais aborder avec toi, euh, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, là, des gens là, qui disent, bon, euh, bon, un nouveau véhicule, fais juste le strike minimum, euh, fais une, une bande dans les, dans les bas de caisse, euh, mets des garde-boue, puis euh, tu vas être correct. Euh, je pense qu'ils ont, dans un certain sens, ils ont raison. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Mais lorsqu'on fait affaire avec un atelier spécialisé, euh, qu'est-ce que toi, un client qui arrive en disant ça, qu'est-ce que... Euh, comment, pour le challenger, qu'est-ce que tu lui poses comme question? Ouais, mais premièrement, euh, on va rentrer sa voiture dans l'atelier parce que souvent, ces gens-là vont nous dire « Moi, ma, ma véhicule, il est beau, il n'y a, a pas d'usure dessus. » Mais finalement, euh, j'ai des clients, Stéphane, qui sont venus à notre atelier, là, qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin de pare sur, sur leur véhicule. Ils, ils venaient parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux « Va faire tes bas de Premièrement, on a réparé les bas de caisse parce qu'il était extrêmement magané. Mais quand on rentre le véhicule, puis qu'on leur lave, puis qu'on leur montre l'état de leur pare-choc, bien là, ils se sont rendus compte que il quand ils regardent leur voiture, ils le regardent rapidement. Puis les pare-chocs usent tellement vite sur une Tesla. J'ai un client qui est arrivé l'autre jour, il a 45-50 000 kilos sur sa Tesla. Il avait, fait, il avait fait ça en un an, un an et demi. Et le client, il m'a dit… Comment est-ce que je vais faire pour faire le 5 ans seulement que j'espère faire avec mon véhicule? Donc, moi, je ne suis pas ici pour essayer de, de vendre plus de par pierre. Dans, dans un monde idéal, si on pouvait faire juste un bas de caisse avec des garde-boues, bien, j'en ferais juste plus souvent parce qu'il y a tellement de véhicules à faire, on n'est pas capable de tous les faire. Mais par contre, si je veux bien conseiller le client et qu'il y ait une satisfaction avec sa voiture sur le long terme, je n'ai pas le choix de lui dire, bien, OK, dans, dans la, la protection de bas de caisse, est-ce que tu as inclus aussi les bas de porte? Parce que le, le bas de la porte, là, il est à côté du bas de caisse, il est tout proche, puis il reçoit autant euh, d'usure de, de, que le bas de caisse. Donc, ça, c'est extrêmement important de l'inclure dans le package de base avec le garde-boue. Mais honnêtement, là, il y a le, le pare-choc en avant avec les lumières, les ailes, puis le capot, euh, les devants de miroir, les, 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 les piliers de pare-brise, ce sont des, des pièces qui se font attaquer par la route. Puis moi, je le dis, je le maintiens, euh, la, la peinture a, a du repos, la même visée que, que le véhicule va durer. Donc, euh, les véhicules électriques, là, il y a des clients qui veulent la, la faire durer 10 ans. Là. La peinture ne durera pas dix ans. Ça, c'est clair. Elle va user et elle va écailler avant ce temps-là. Donc, nous, on conseille à la base un, un ensemble complet du devant pour vous assurer d'avoir le maximum de protection là, euh, sur votre véhicule. All right, Daniel. Euh, écoute, euh, on, a fait, euh, on a fait le tour de, de pas mal de nos points aujourd'hui. Euh, je suis revenu euh, cette année chez vous. On a encore appris un paquet d'affaires. Euh, je pense que les, euh, les auditeurs vont devenir de presque des, des pros du, de l'esthétique automobile. Ils vont pouvoir, venir, euh, vont pouvoir venir travailler avec toi. Euh, <laughs> Écoute, euh, fait que pour le bénéfice de nos, nos auditeurs, on va prendre quelques minutes, toi et puis moi, euh, pour euh, prendre une vidéo de, de, du graphène, de l'enduit graphène que vous avez fait euh, sur le véhicule. Euh, donc, pour ceux et celles qui, ont, euh, qui sont abonnés aux pages Facebook euh, de Silence On Roule. On va mettre le lien vers, vers la vidéo. Euh, fait qu Encore une fois, Daniel, je te remercie vraiment de nous avoir accueillis dans ton atelier. Bien, je te remercie, Stéphane, de m'avoir donné cette tribune-là. Tout ce que j'espère, c'est que les auditeurs de, en, sachent, sachent mieux comment faire leur, leur magasinage, puis mieux cibler leurs besoins, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est le plus important. Mais moi, c'est à mon tour de te poser une question. Tu m'as ramené ta voiture, on a fait l'enduit dessus. Je veux juste savoir, là, au premier coup d'œil, juste pour donner le goût aux gens de venir voir la vidéo, donne-moi juste ton impression quand tu es rentré dans le shop et que tu as ton char. Quand on dit là, un enduit miroir, que la, la lumière reflète totalement sur le véhicule, c'est vraiment le, le, le look qu'on a vu. Et, et puis, quand tu m'as fait de la démonstration, j'invite les gens vraiment à aller voir la vidéo. C'est vraiment impressionnant. Je te remercie, Daniel.